Bonjour YouTube, voici la suite de Metroid Prime. Alors pas Metroid Prime 2, hein, la suite de mon Let's Play de Metroid Prime 1. J'ai la trilogie, je le rappelle. Et on joue sur Wii U. Enfin on joue à l'émulation Wii sur Wii U, quoi. Alors c'est même pas de l'émulation d'ailleurs, c'est juste le système de la Wii qui est chargé sur la Wii U, hein, parce que c'est le même système. La Wii U, c'est une Wii, c'est une Wii avec du guronzan, quoi. Ils ont pas changé l'architecture et tout. Alors, on s'était arrêté à mon vaisseau, je crois. Me semble-t-il. Regardez cette classe. Hop, bon ça marche toujours. Et je sais plus où fallait aller, par contre. Salut à Vorpal! Comment tu vas? Par contre, je sais plus où fallait aller. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah! Regardez, ils vont me dire, ils vont me dire. Ils vont me dire, regarde, regarde, t'es un gros sac. C'est le jeu. Est-ce que le jeu m'écoute? Ça fait l'Indra? Ah oui, d'accord. Faut que j'aille à Felindra, tête de tigre. Ascenseur pour le sud des cavernes du Magmor. Alors. La forme, je miam en te regardant. Ah, mais quelle merveilleuse activité. Ah ça, c'est le magmor. Et le sud. Ascenseur pour le sud des mondes de Felindra, tête de tigre. D'accord. Ascenseur pour l'ouest de la surface de Talon. Ok. Surface de Talon. Donc c'est pas là qu'il faut que j'aille. Pour l'ouest. Non, c'est ruine Chozo. Ouest. Pour l'est des ruines Chozo, non. C'est où? La carte a l'air bien complexe. Bah, elle est bien faite. Par contre, elle est bien faite. Hein. Vraiment, elle est bien faite. Mais effectivement, faut la prendre en main, quoi. Ah, mais il y a un truc. La grotte racine. Ah non, la grotte racine, il me faut le. Bon, bah, on va aller là. Hein. Mais j'ai pas regardé par où fallait passer. Quel sac. Non. Une chose zone. Faut que j'aille tout droit là. Non, faut pas que j'aille tout droit. Là, faut que j'aille à droite. À droite. Non, une chose ça. Ah oui, c'est là-bas. Donc là, à droite. Ok, c'est parti. Alors, si je me rappelle bien. Ok, c'est bien par là.
Et après, c'est tout en bas, c'est ça? Oui. Bon, j'en ai oublié un, mais c'est pas grave, hein. Un dash, ça serait tellement bien dans le jeu, quoi, vraiment. Vraiment un petit dash là. Hop. Ah, les chargements, quoi. C'est clair que maintenant on en oublie qu'il y a des chargements dans les jeux. Enfin, il y a certains jeux où bon, il y en a encore évidemment. Mais la plupart du temps maintenant c'est plutôt bien contrôlé. C'est plutôt on le voit pas quoi. C'est chargé au fur et à mesure. Les mondes Felindra Nord, mais non. Je veux les monts de Felindra sud. Là, et en plus, il y a un truc. Ok. Qu'est-ce que je fous? Ah, le sud des monts de Felindra. C'est là. Donc là, faut que j'aille de l'autre côté. Que je me retourne et que j'aille par là. Les métroïdes, on n'a fait aucun. Eh bien, rassure-toi. J'ai tenté celui sur NES. Hein. Pour me dire, je suis pas un gros sac. Et finalement, j'ai pas réussi. Il est vraiment trop chiant. Celui sur NES, vraiment, c'est une paire. Vous infligez pas ça, faites autre chose. Et Super Metroid, ouais, je l'avais commencé en émulation Wii U. Je sais plus quoi là. Et pareil, c'est faut être fan de la série, hein. Ça, le gameplay à vie. Hein. C'est tellement, enfin, c'est vraiment super rigide en fait. C'est les Metroid Prime ont moins ça. Mais sinon c'est des jeux super rigides quoi. Je m'attends à une arnaque là, non? Non, c'est bon. Ou quoi des fois? Des fois le jeu est sympa avec nous. Ah oui, alors là fallait oui. Là il là, y a les hamburgers là. Il y a les menus Big Mac. Non, non mais je disais quoi? Super, je disais que c'était moins rigide maintenant, c'est vrai. Effectivement, hein, vous avez vu. Vous avez moins la chance de, moins de chances de vous faire éclater. Ah, mais je refais la même. Oh, je vais me retrouver avec des plaintes. Dans oui, les Metroid, c'est pas. C'est pas du tout. C'est pas du tout rigide. Celui-là, ouais, c'est Metroid Prime Trilogy, donc c'est le remaster, c'est les remasters de ce... Ah non, enfin c'est le remaster... Ah, je sais plus sur sur GameCube lequel était sorti, si les trois étaient sortis sur GameCube ou si c'était juste le Metroid Prime et après ils ont fait la trilogie avec les deux autres, oh, je sais plus.
Bref, c'est le remaster Wii. Et je joue sur une Wii U. Et donc évidemment, je joue à la Zizimote. Hein. Ah oui, là, il y a un truc que j'ai pas encore, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais, il y a un truc que j'ai pas encore activé. Doudou, 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 doudou. Non, ça c'est... Ah, sud, si, si, sud de... Ah! Il y a une porte blanche, là, dans le fond, non? Ouais, mais faut que j'aille à Felindra. Petit jeu. Et donc, ouais, tout ce contrôle à la Wiimote. C'est, ça demande une petite prise en main, mais... Oh, j'ai tout esquivé. Le jeu a pas compris. Le jeu a pas compris tellement je suis allé rapide. Coucou, Gigit. Comment tu vas, toi? Je vais peut-être aller sauvegarder avant, quand même. Pour pas avoir à me retaper tout le chemin. C'est sympa la manière dont l'arme suit le viseur. Non, non, mais c'était c'est super intelligent. J'ai pas le son, j'aurais dû te demander des écouteurs. Ah. Effectivement. Et du coup, c'était de la visée auto, c'était de la visée auto sur sur GameCube. Et ils ont enlevé ça sur la version Wii U. Faut qu'on pointe. Donc je ne sais pas. Enfin, du coup, je ne sais pas quel est le plus compliqué parce que c'est plutôt ergonomique et ça marche plutôt bien, hein, franchement. Franchement, ça marche bien. Mais je, du coup, je ne sais pas quelle version est la plus simple. Que la visée auto, ça peut quand même aider, hein. Bien évidemment. Mais on a le... Ouais, c'est par là. Ça va, je suis pas très très loin. Ah, et Number IT qui arrive. J'ai du bol, ma voisine de chambre se couche pas tôt. Après, elle est sous cachet fort, elle m'entendra pas. Alors, je peux veiller. Faire sans son quand même qu'on confisque pas le téléphone. Aïe. Tire comme Rabia. Tu rentres de Paris. Qu'est-ce que tu faisais de Paris? Qu'est-ce que tu faisais à Paris d'ailleurs? Qu'est-ce que tu faisais de Paris? Père comme Rabia. Très bien pour fêter ça, ouais. Ouais. Et Moi, c'est rigolo, ça, c'est le contraire. C'est C'est les Parisiens qui sont arrivés. Quoi? Pourquoi j'ai lui maintenant? J'ai pas envie de l'avoir lui là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, il me fait sauter en plus, il me fait rebondir. Congrès syndical. C'est bien frité. Ah.
Frité gentil ou frité méchant? Hop, je me casse. Hein. Alors, j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. Coucou Yoran. Oh, mais tout le monde est là ce soir, c'est parfait. Ça me fait plaisir. Il y a plein de monde. Personne n'est mort, mais... Ah, oh, ah. Ça y est. Un drone sentinelle. Blindé, très bien armé. Ces drones sont doués d'une intelligence très limitée. Ils exécutent scrupuleusement les ordres. Ils sont des créatures artificielles. Les drones sont très vulnérables aux attaques électriques. Ah, ah, ah. Tous les types de viseurs. Ah, voilà, ça prendra. En lien avec le vote la semaine prochaine, non, congrès du syndicat pro, c'est l'union qui gère l'élection TPE. Il y en a encore un. Il est... Oh mais... Ah c'est vrai qu'il se suicide à la fin. Ok. C'est vrai que se blesser avec des Legos... se blesser avec des Legos ça fait mal. On est d'accord. J'ai ça qui mène là en fait, c'est nul. C'est vraiment le truc qui sert à rien. Je comprends tellement rien tout ça. Maintenant que je suis indépendante, qu'on me demande de voter. C'est fou. Pouette, 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 pouette. Ah, mais c'est pour remonter plus vite. Ça y est, j'ai compris. Ça, j'ai compris à quoi ça servait. C'est pour remonter vachement plus vite. Ok. C'est... Et oui, c'est clair. Hop, hop. Sauvegarde. C'est là, oui. Dans le labo principal. Oh, va falloir se taper tout ça. Oh là là, j'espère qu'ils sont partis. Oh, on va se retaper des pirates partout là.
Il y en a encore au-dessus? Ah oui, d'accord. C'est quoi? Oh mais non. Compliqué d'expliquer ça sur un chat. On met des valeurs représentatives des syndicats. Ouais. Exactement, ouais. C'est important en fait, même si effectivement on est moins. En tant qu'indépendant, on est moins concerné. Mais du coup, ouais, ces actions-là en fait vont permettre de calculer une proportionnalité en fait dans les syndicats, quoi. Donc c'est important. Ah, super. La petite zone dans le noir. Toujours dans le noir là? Ouais. Oh, c'est relou ça. Je croyais que j'avais remis le jus moi. Oh, il y a des pirates de l'espace partout. Ah bah oui. Vas-y, moi devant ma tronche hein. On voit toujours rien, c'est chiant. Est-ce que le pixel, je peux choper le pixel là? Non, ça ne marche pas. Ils font des roulades? Genre ils font des roulades. Genre ils font des roulades. J'aime pas ça quand il tombe comme ça là. Ah, zut. On va regarder ça. Qu'est-ce que vous dites? Aussi, mais pas assez gros pour que ce soit conséquent. Ah oui, si, ça je comprends juste pas trop pourquoi ils me prennent encore dans la liste des électeurs, rapport à mon ancienne boîte. Quitté en juillet. Ils devraient être sur les listes du moment où elles ont été arrêtées. Des bisous, Gigit. Faisais-lui des bisous. Horrible. Hein. Ah mais oui, j'ai ça au fait. C'est ça qu'il faut que j'utilise. Ça y est, j'ai compris. Je me rappelle. Ça y est, je me rappelle. Que j'ai ce pouvoir-là maintenant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bah dis donc, j'espère que mon PrestaCloud est plus fiable qu'OVH ces derniers jours. Oui, il l'est. Il l'est, honnêtement, il l'est. Mais ouais. Ouais, OVH là. Waouh, attends. Il a un mauvais coton, hein. Ah, ça y est.
Non, mais encore des pierres. Oh, mais il y en a partout. C'est chiant. Je peux les scanner ceux-là. C'est des différents. Non. Ils sont différents parce qu'ils sont noirs. C'est pas ce que je voulais dire, mais il y a différentes couleurs de pirates de l'espace. Et donc je voulais savoir si ceux-là je les avais scannés ou pas. Amazon, c'est pire. J'aime pas Amazon, hein. Je pense que je ne choquerai personne à AWS. Je piche pas l'intérêt, mais. Je suis pas certain. Je suis pas certain que AWS ça soit pire. Après, ce qui est le problème, moi, que je, le, à la limite, tu vois, des problèmes de fiabilité, OVH, vu le prix, honnêtement, enfin voilà, faut pas t'attendre non plus à un truc qui tienne la route, quoi. Quoique OVH, enfin, quoique Online arrive à le faire, mieux, j'ai l'impression. Par contre, ils ont des gros incidents réguliers. Ah, d'accord. Et par contre, moi, ce qui me pose problème chez OVH, c'est le support, quoi. Le support est inexistant. Mais vraiment, c'est tu ouvres un ticket, tu n'as juste pas de réponse pendant 10 jours. Si tu ne relances pas, si tu ne gueules pas. La CGU, la durée max de garantie de vie des instances est 6 jours. Oh là là. Quelle horreur. Mais donc, ouais, ça, moi le support chez OVH, ça me hérisse les poils. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal de pas filer de nouvelles. Et de pas faire. Enfin, que le support soit aussi merdique, quoi. Je. Vraiment, quoi. Parce que. Il l'est vraiment. Ah, ça y est. Rabia qui commence à gratter à la porte. A mis le temps, hein. Faire le bon truc, là, ou pas? Me dites pas que je me suis gouré. Attendez. Oui, c'est là, c'est en bas. Ouf. Oh, j'ai commencé à flipper. En me disant, j'ai fait tout ce chemin pour rien. Non, c'est ok. Ils sont combien? Vous allez me laisser un moment? Metroid Prime HD, comment ça claquerait? C'est pas HD, hein? Tu veux dire que là on n'est pas en HD là? Non, c'est pas ça, c'est ça. Ah, attendez, je vais ouvrir Arabia parce que ça y est, elle est vénère là, elle est vénère, elle va me défoncer la porte, elle m'énerve. Ouais, donc pour le cloud, ouais, tu as les dradés des gens pour leur casser les genoux. Ouais. Je sais que de temps en temps, j'envoie un tweet, ça marche mieux. J'ai 2-3 personnes. Ah non, c'est chez Online d'ailleurs. Online, par contre, Online, il vous fait habiliter des serveurs. Je trouve ça franchement correct. Vraiment. Par contre, niveau IPv6, c'est de la merde. Hein. C'est constamment moi qui est en train de. c'est moi qui leur fais. C'est moi qui leur dit quand IPv6 s'est pété sur leur réseau, enfin, sur leur réseau quoi. Ça pue un peu quand même, hein, dire. Que ce soit le client qui dit eh, au fait. Y a plus IPv6 sur les serveurs. Hein. Et puis qui fait le diagnostic la plupart du temps.
Il y a des bruits chelous, j'aime pas ça. Oh! Ejected! Ejected! Oh, y en a un petit, regardez là-bas. Regardez le petit fourbe là-bas. Hop! On le fait descendre. Ah tiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont faire des bons comme ça là depuis tout à l'heure là? Ah ils nous font du son en hauteur là. C'est quoi ce délire? Rien, ouais, je vois toujours rien. Il est magnifique ce, pour un jeu vieux de 20 ans. Après, est-ce que le remaster, oui, a quand même dû avoir une petite upgrade graphique, je pense. Pas un truc énorme, hein, mais je pense qu'il y a quand même eu, il y a quand même eu un petit plus. Qu'est-ce que je déteste? Est-ce que je l'ai sectionné? Voilà. Réserve de missiles critiques. Ah. Non. Non, Metroids. Voilà. Bisous le Metroid. Hein. Hop. C'est ça, il faut que j'aille en bas. Quoi? Oh là là. Merde. Ah. Ah, Erabia qui rentre juste pour me gerber dans l'entrée. Merveilleux petit chat. Vraiment, c'est ce qu'on attendait. Hein. Attendez, y a un sale Metroid là. Ah, merci. Merci Rabia. Vraiment. Putain, c'est où? Merde. Arrête. Ouais, je me casse, j'en ai marre. Hop là, voilà.
Voilà, c'est mieux. Oh, elle est plutôt calme, hein. Il y a des utilisateurs de Windows 10 parmi vous? Oui, à moi. Je vois bien une vanne, mais c'est interdit par les règles. Et bah donc, là, si la vanne est interdite, merci de ne pas la faire. Ah, la deuxième gerbe derrière la porte. Génial. Franchement, génial. Non, vraiment, je donne un char. Si ça intéresse. Si ça intéresse, un chat qui gère partout. Dites-moi, hein, je la donne. Hein. Troisième gerboulade, Arbia, non? Je sais pas, deux, c'est peut-être pas assez, non? Petite troisième, ça serait pas mal, je trouve. Hein. Je me rappelle absolument pas de cette musique par contre. Bon, on a tué les piafs. Qui c'est qui me crache des trucs au dos de la tronche là? Fier comme Rabia. Fier comme Rabia pour fêter ça, hein? Père comme Rabia. Alors, impossible d'imprimer des PDF. Si c'est pas résolu, bah ouais, mais Et y a que les PDF qui ne s'impriment pas. Le reste, c'est ok. Et d'imprimer les PDF depuis où? Voilà, il met tellement de portes là. Ah là, il y a sûrement un accès. Ah là là, Rabia. Oh, c'est au-dessus de ma tête. Je regarde, moi comme un glandu, je regarde, évidemment. Ça marche ou pas là si je saute? Bah, si je sautais, ça serait mieux déjà, évidemment. Surtout que si j'ai balancé. Quoi? Putain, j'ai pris les piafs. Et quoi là-bas? Ah, c'est de là où je viens. Gros nul. Toutes les imprimantes virtuelles. Pourquoi une imprimante virtuelle?
Seule une décharge de chaleur, donc là il me faut le rayon plasma. Ben, il faut bien que j'imprime les tracés en PDF. Et j'avais essayé d'imprimer direct sur l'imprimante papier, même bug que les virtuels. Fausse couleur, police, taille et sens des textes modifiés. Oui, oui, non, mais je les ai, les impulsions, t'en fais pas. Ouais, mais enfin. C'est... Alors, clairement, hein, utiliser une imprimante virtuelle, ça va pas t'aider. Hein. C'est souvent de la merde, hein. Faut avouer. Hein. Les imprimantes qui impriment, en fait, et que ça génère un PDF. Honnêtement, mais du coup, ton impression fonctionne, mais derrière, tout est dégueulasse, c'est ça? Moi, je pencherais du côté de ton driver d'imprimante. Hein. T'as installé le driver dans l'imprimante ou t'as laissé Windows gérer ou pas? Ma phrase voulait rien dire, mais vous avez compris. Hein. Donc là on a quoi? Tu veux faire comment sans imprimante virtuelle? T'as directement imprimé sur l'imprimante quoi? Enfin je pige pas. Ah oui, c'est là. Ah mais j'y ai pas accès encore ça. Non. Bon, la musique, c'est pas la plus inspirée quand même. Je fais du dessin 3D vectoriel. On fait la présentation avec dans le logiciel de CAO pour l'exporter en PDF. On l'imprime avec une imprimante virtuelle, c'est normal. Pas clair pour moi. L'imprimante virtuelle, elle te sert à te sortir un PDF, c'est ça? Oh là là, je crois qu'il y a des Metroid dans le coin là. Il me semble que c'est un gros coin à Metroid là. C'est quoi cette horreur? C'est quoi ce toi, hein? Metroid chasseur, cette créature absorbe l'énergie de ses proies, au moins de ses tentacules. Plus ils grandissent, plus les Metroid deviennent redoutables. Grâce à leurs tentacules, ils peuvent absorber l'énergie de leurs adversaires à distance. Le Metroid chasseur est très agressif et attaque tout opportun jusqu'à ce que celui-ci capitule. Toutes les armes dotées d'un effet gel sont très utiles contre ses adversaires. Clin d'œil. Non mais arrête! Voilà. Voilà, paf et paf. Il semblait bien qu'il y ait des Metroid dans le coin. Hein. C'est quoi ça? Planeur.
Ah, donc il me faut le... Ah, je vais peut-être avoir le grappin. Je vais peut-être avoir la grappinette. Ouais, mais je fais quoi là? Bon, déjà, il y a une réserve de missiles en bas. Ah, c'est gelé! Ah. Il faudra le rayon plasma. Alors pour y accéder, ça va être compliqué. En fait, l'autre, ça va être compliqué aussi. Non, je suis où là? Je suis revenu au début là. Comment j'y vais? Ça. Ah. Barre-toi, toi. Quoi? Hop. Mais pourquoi ça tombe pas? J'en ai plus. Ah. Ah, j'ai réussi. Ok. J'ai des métroïdes, je suis dans le caca là. J'ai plus de missiles. Si je tombe sur des métroïdes, je suis dans le caca. Ça marche. Il est où l'autre? Bon, c'est bon, j'ai retrouvé un peu de... Tu vois, Yoran, t'aurais mieux fait de continuer à me poser tes questions parce que... personne parle. Voilà, c'était parfaitement ok. Putain, la musique elle est vraiment bof tire là. Thank you.
Y'a rien de planqué ici, hein. A priori, non. Ok, il y a des pioupiou un peu partout, d'accord. Ah, faut être précis en fait dans le dans l'éclatage de stalactites là. Ah, mais ça se trouve, je peux les avoir. Ah oui. Voilà, les piou-piou, on peut les avoir comme ça. Arriver là-bas, ça va être chaud. Voilà. Ah zut. Évidemment que je me suis fait toucher. Où je remonte, c'est pas là. Voilà. Ça, c'est fail. Fait tomber le deuxième. J'ai oublié un truc là. Là clairement j'ai oublié un truc. Oui vas-y oui. Alors remonte, remonte. Remonte Samus, allez. Je vois rien. Merci. J'ai doublé un truc. Ah oui! Il y a lui qui a pas pété, regardez. Ça va être mieux, je pense. Regardez ça, oui. Quelle chance, hein! Quelle chance qu'il y avait un gros bout de rocher prêt à tomber dans cette salle. Enfin, plusieurs bouts de rocher prêts à tomber. Sinon, Samus était bloqué. Et le jeu s'arrêtait. Et heureusement... Des petits bouts de rocher prêts à tomber. Chambre de gravité, ça va, on est dedans là? Ah bah oui. J'espère qu'on n'aura pas à revenir ici, parce que c'est loin. Hein.
Putain, on va se faire casser la gueule, ça va être chiant. Ah, je suis keblo là, voilà. J'étais bloqué dans un coin. Faut aller où? Je vais remonter moi. Je vous embête pas, je vais remonter. Je peux pas. Ah d'accord. Ah non, on peut pas remonter, on est obligé de... de redescendre. Si on dit de redescendre, je redescends. C'est ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas là? Je suis dans l'eau suit. Est-ce que c'est pas je suis un petit poisson? Le costume de gravité. Quand ils disent qu'il y a un truc qui est disponible à l'achat, c'est pas des vrais achats dans, dans le jeu. Hein. C'est... c'est avec des points de jeu quoi. Voilà, avec ce costume là en fait bah, je fais des sauts normaux sous l'eau. C'est quand même bien pratique. En fait, je me déplace dans l'eau comme comme dans l'air. Bon, c'était pas ça qu'il fallait faire a priori. Ah, peut-être aller là. Ah, peut-être mieux. Ouais. Ok. Il y a un truc là. Hein. Ah bah il y a une autre porte. Voilà. Dommage, ça m'a filé de la vie alors que je voulais pas de la vie. Donc me voilà là, ah, c'est cool. Je pourrais aller effectivement aller ici. À droite, vu que avant ce n'était point dispo et maintenant je suis du bon côté.
Par contre, ça serait bien que je puisse sauvegarder un jour là. Le jeu. Petits effets de lumière, c'est trop mignon. Ah, c'est juste un raccourci en fait. Ah, déception. La déception. C'est juste un raccourci. On pourrait essayer d'aller là, mais je crois qu'on peut pas y aller. Non, il faudrait le... Il faudrait le grappin. Ah, il est 22h, je suis déjà claqué, moi. Ça, il y a Jean-Mich qui s'amusait avec le xylo, là. Il y a Jean-Mich qui s'est dit, tiens, je vais me faire un peu de xylo, ça va me changer. Bon, on va continuer à avancer, on va bien voir. Qu'est-ce que le jeu veut nous faire faire ? Il y a un mec au-dessus, non ? Ah, je me casse. Ah, la Wiimote. Ah, il est tombé dans l'eau, ça lui a fait du dommage en fait. Ah, et là il vole dans l'eau, non ? Ah mais non, regardez, on peut passer là. Ou alors j'avais pas fait gaffe tout à l'heure, ou alors ça s'est ouvert à l'instant. Donc il y avait bien moyen. Qu'est-ce que j'essaie de faire ? Je sais pas ce que j'essaie de faire en fait là. je suis trop malin. Non mais toi la mère la gerbe, tu t'en vas toi. Je vais être obligé de ramasser derrière là. Merci. Salut Otto. Ouais, non, cette musique là, ouais, non, clairement, c'est pas la plus inspirée, hein, on est d'accord. Et bon, je vais où?
Le jeu, ce serait le moment pour m'aider, le jeu. La zone de quarantaine. Y'a pas un petit truc en haut là dans la zone de quarantaine là? Là le petit picot là en haut il me trouble. Il me trouble le petit picot. J'ai envie d'aller voir. J'ai pas sauté. Enlève la basse, ça passe. Oui, mais c'est pas non plus. Même la percu a plus de rue. Ah, le mec, il est devenu expert. Expert musical, quoi. Ça mène où? La grotte de. La... Ah, il y a un truc dans la grotte de glace, là. Ah mais non mais faut, là il me faut le... Oui, là il me faut le grappin. Ah il est où le grappin? Je sais plus où je vais. Si je vais là. Oula, je vais trop vite. Il y a un truc là. Attendez, il y a un truc là. Il y a jamais des trucs au pif dans Metroid. Ouais non, c'est la suite. Oh là. Ah là là, ah, je suis paumé. Hein. Je suis fatigué, je crois, ce soir, je parle. Hein. J'ai du mal. Ici, il me faut le rayon plasma pour pouvoir tout faire fondre. J'ai dit que je voulais pas aller là, c'est ça? Oui. J'ai dit que je voulais aller voir le petit bout là. Je voulais aller voir le petit pouet. Forcément, ça me tombe pile sur la tête. Pouet. J'ai essayé de suivre tout à l'heure ton stream. Stream Kerbal, hein, je comprends rien au jeu. pour de vrai je comprends plus que dalle. Oh, en pleine tête. Faudrait que j'aille là-bas, mais pour aller là-bas il faut que j'ai le grappino. Parce que le rail magnétique là, il me mène là. Il y en a un autre en face là-bas. Ça veut dire qu'il faut que j'explique mieux. Non mais ce que t'expliques, ce que t'es en train de faire tout ça, d'accord. Mais le but final du jeu, je pige pas en fait. Donc là, il me faudra le grappino. Non mais tu peux miauler Rabia, je m'en fous. J'ai une répute de pédagogue à tenir, effectivement, c'est vrai que... Otonoshi sans la pédagogie, il manque un peu. Ah, c'était pas... Le truc de gravité, c'était pas pour le...
Merde. Pour l'épave? Il me semble que c'est pour l'épave. Faudrait retourner à l'épave du coup. Sauf que l'épave. L'épave elle est où? L'épave elle est sur la surface. C'est ça, t'essayes de grapper un truc sous l'eau, on est d'accord. Hein. La frégate. C'est ça. Passerelle de chargement du pont Gamma. Et du coup, le truc le plus proche, c'est l'est des ruines Chozo. T'es chiant, Rabia, vraiment. Vraiment. Hein. Je te le dis comme je le pense, t'es juste chiante. Les ruines Chozo. Ou l'est de Magmor. Donc là, il faudrait que j'aille à l'est de Magmor. Sauf que le truc qui est à côté, là, c'est quoi? Sud de Magmor. Bon, allez, vas-y, on va aller au sud et puis après, on revient, quoi. Non, mais je t'ai vu, Rabia, pas besoin de venir tourner, là. Elle est en chaleur? Non, elle est juste chiante. Alors, elle peut plus être sans chaleur, puis elle l'a jamais été, d'ailleurs. Because coupé à 6 mois quoi. Dès que j'ai pu, a tout coupé. Comme son papa dans 2 semaines. Pareil. Son papa dans 2 semaines, pareil. Coupe tout. Rabia aura jamais connu l'amour. Mais si, elle a connu l'amour de son maître. Et là, je me rends compte qu'en le disant, ça va évidemment être détourné. Ouais, je m'en fous. Ouais, malaise TV, évidemment. Évidemment que c'est détourné. Barrez-vous. Barrez-vous, condomime. Voilà. Est-ce que je peux éteindre la lave maintenant? Non, ça marche pas. Est-ce que je peux éteindre la lave? Faut changer de pays. Il y a des pays où c'est légal de se marier avec ses animaux, des trucs dans le genre? Sans blague? J'allais dire, je vais arriver à le toucher à un moment ou... Ah oui, non, ça faut que j'ai la super explosion bombe morphing pour être truc. Ça y est, je me rappelle. Enfin, je me rappelle. Je me doute. Donc, sud, et j'ai dit qu'il fallait que j'aille à l'est. Ça, c'est l'ouest, merde. Par le nord. Se marier, non. Seulement oui. Hostet, tu peux te marier avec ton agrafeuse. Je parlais de la zoophilie. Oh, attendez, je vais l'ouvrir parce qu'elle me saoule. Elle me saoule.
Ah bah bravo. Ah bravo. Ah super, hein. Je vous félicite pas, hein. C'est bon, elle est dehors. Et j'hésite à la laisser dehors. Pour toute la nuit. Pour lui faire comprendre qu'elle est chiante. Voilà. Il gagne rien, quoi. Pourquoi il n'y a pas de zone est? Pourquoi il n'y a pas de zone est là sur... Otto, toi qui connais le jeu. On avait ça dans une chatte hier. Ah bah oui, c'est peut-être là en fait. C'est peut-être tout en haut du truc là. Ah oui, on peut retourner à talon. Ouais, non, on va retourner à talon. Bah oui, attends, zone S, non? Quoi? L'ouest de la surface de talon. Ah, c'est peut-être là, ouais. Ah bah oui, c'était là, en fait. Suis-je idiot? Ne répondez pas à ça. Je cherche quoi? Bah je cherche où faut aller en fait après quoi. Active les machins là. Tout c'est bien mignon, mais j'aimerais bien monter dessus. Et j'ai pas l'impression que ce soit encore faisable. Mais il y a un truc de grappin, donc j'imagine que ça doit être avec le grappin. Grappin, grappin, j'ai dit grappin. Ah, les hamburgers. Petit les petits graves. Je vais trop vite. Vous avez vu, je vais trop vite pour le jeu. Il n'arrive pas à suivre. Ouais, ouais, ouais. Ok, à gauche. Normalement, faut faire le tour. Hein. Voilà, ça faut pas le faire. Hein. Rabia, je l'ai jamais laissé dehors. En vrai. Hop, voilà, on n'a pas besoin de faire le tour là. Enfin, le... là... Allez. Le prochain unlock, c'est les Power Bombs. Bah enfin. Hein. Ah mais c'est pas le grappin. Toujours pas le grappin. Oh mais le grappin, on l'a quand? Là, il y a tellement de trucs que je pourrais avoir avec le grappin là. C'est chiant. Ce sera après le grappin. C'est chiant quand même.
Ouais, ça, vous êtes pas content et tout, j'ai autre chose à faire. Et les deux se trouvent dans la même zone, d'accord. Ouais, donc ils sont quasiment... ils sont attrapables l'un après l'autre, quoi. N'empêche que dans Doom, on peut s'accrocher au rebord. Hein. S'accrocher au rebord, c'est pas mal hein, dans Doom. Hein. Donc là, genre là, tu vois, hop, genre là, grappin. Elle m'a craché au visage, non? Ah, elle m'a craché dessus! Je me casse. La power bomb te donne accès au grappin. Ok. Ouais, ouais, c'est ça, touchez-moi. Ah zut. J'aurais essayé. Hein. Ok. La la la. Et ensuite, ensuite, non, ça c'est pas là. Alors le crash de la frégate, là c'est à gauche. Ah c'est dans la petite... C'est dans le petit passage. Je pulse pas à deux zones, tu me diras. Ok. Ah voilà, un de moins. Oh non, mais non! Oh mais barrez-vous! J'ai pas besoin de vous m'emmerdiez là. Tellement easy au rayon de glace. Non, je veux pas aller ruiner chose d'eau, je veux descendre. C'est ça. Donc c'est tout droit. Vivement le plasma, ouais. N'oubliez pas, hein, donnez votre plasma. Hop. Donnez votre sang. C'est important. Je vais où? C'était pas par là, la 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 la. Ah! Oh! Ah! Ou I ou A A? Pour les télés, bah évidemment. Évidemment, c'est comme ça qu'ils font les télés. Ah d'accord, attendez. Ça y est. Je viens de voir qu'il y avait un passage. Oh, c'est de là où je viens là? Non. Oui. Oh, je me paume. On se paume quand même beaucoup dans le jeu. Hein. Je parlais de Doom, mais j'ai l'impression qu'on se paume quand même vachement moins dans Doom, par exemple.
Easy. Quelqu'un qui a lâché un vieux molard dans le fond de la flotte là. Dégueulasse. Faut nettoyer quand même. Level design et oui bah c'est un des trucs de la licence quoi, c'est Ah merde, j'ai cru que c'était un... Je suis con. J'ai cru que c'était les caméras de surveillance. Voilà, les caméras poète. Les gros crabes. C'est quoi là-bas? Un pirate ça? Non, c'est pas un pirate ça quand même. T'en as fait d'autres, tiens, auto? Des Metroid? Alors, y'a le truc et le machin. Oh, tellement mieux. Mais y a vraiment un mec? Y'a vraiment un pirate dans le fond de la flotte? Putain de merde. Les mecs ils volent dans le fond de l'eau. C'est moi où il y a un petit bug là quand même. Ah, du coup ça devient compliqué parce que j'ai dans les mains maintenant le fait que la gravité soit différente dans l'eau et c'est plus le cas. J'en ai fait aucun, j'ai juste testé Prime et j'ai regardé mon frère le torcher à l'époque. J'adore le jeu mais je déteste le gameplay. D'accord, donc tu préfères le regarder plutôt que de le jouer quoi. Ok, je comprends. Donc là, j'avais récupéré l'énergie tank. Attendez, il y a des... Je vais où après? C'est pas clair, hein? Quoi? Y'a des trucs qui me tombent sur le pif? Ah bah y'a... Ok. Est-ce que je peux le scanner? Celui-là, c'est pas moi qui l'ai tué. Hein. Il meurt tout seul. Hein. Vous êtes témoin. Remets Ezekiel. Il me faudra un mode pour avoir des déplacements de FPS traditionnels. C'est-à-dire. Oh, encore pour le 100%. Voilà. Alors, par exemple, cette porte-là. Si j'avais pas scanné avant, et bah c'était mort pour le 100%.
Il y a un côté rail shooter au jeu de base qui me rebute vraiment. Soit tu bouges, soit tu tires. Ah non, justement, tu peux faire les deux en même temps. Allô ? Je lui ai filé l'énergie à la porte là, non ? Non, peut-être pas. On va aller de l'autre côté. On me dit pas que c'est le merdier là-bas. Ouais, quand je disais que je redescends tout, je parlais pas à ce point-là quand même. Je me suis bien viandé. Hein. Ah ! Mais saute ! Bon, ça a l'air d'être mieux. Ouais. Ah, il y en a encore un là, non ? Ok, ok. C'est mieux. Si je l'avais fait avant, ça aurait été mieux, mais bon. Je ne pouvais pas deviner, hein. Qu'est-ce qui se passe ? Ça marche pas. Ah. Faut taper sur la pointe. Ah 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 oh, oh c'est génial, oh c'est bien. Bonne phase. Bonne phase, on voit rien. La bonne phase où on voit que dalle. Hop. Et reblacky. Merde, merde. Oui. Évidemment. Si je suis avec le viseur d'analyse, ça analyse. Mmh. Endommagé là, non ? Le canapé a pas rangé les choses. Je crois que j'ai dormi une heure. Mais la douleur a monté dans l'épaule. Merde. Quoi ? Ah ouais, d'accord. C'est eux. C'est eux mais sous l'eau maintenant. D'accord. Mais barre-toi. Non mais barre-toi toi. Regardez le petit con. Petit merdeux. Quoi ça? Il y a une grosse bait. Oh. Et le moral vient de partir au fond de mes chaussettes.
Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Attention, l'intégralité n'est pas conforme aux normes de sécurité. Et ben on va lui casser sa gueule du coup. Non, ça marche pas. Tac. Pouette. Et ouais, ça avait qu'à être conforme. Ouais. Ok. One. Ah, l'autre il est là-bas. Il y en a un là. Faut que je monte. Dun. Et on fait le tour. Pouette. Alors, qu'est-ce que tu disais? Le mal de dos, ça faisait longtemps. À une époque, j'avais également Paul. C'est parce que j'avais mauvaise position sur la chaise chez moi et au boulot. Là, c'est un vrai point dans le bas du dos, à droite au départ, et là, ça fait une barre dans le bas du dos, et maintenant c'est remonté jusqu'à mon monoplate, on va dire. Et le moral dans les chaussettes, voilà, tu as une idée, mais elle est tienne. Charger le jeu là. Merci. Là, le jeu qui a galéré à charger. On dirait des vieux pantins désarticulés là. Ah, il a réussi à passer lui. Bravo à lui. Il est moins con que ses congénères. J'ai réussi à... Mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, moi? Eh oui. Ah! Pirate aquatique! Ah! C'est des spéciaux! Viens par là. Voilà, c'est bien. C'est bien mon petit débilou. Je suis fier de toi. Par contre j'ai vu un... Voilà. J'ai vu... Hop. Ok. Pouette. OK.
Ah non, elle est au-dessus de la porte, d'accord. Mais... Ah oui, d'accord, c'est par là. Je suis nul. Est-ce que tu as essayé de faire des étirements devant le PC en train de manger? Après, je retourne dans mon lit. Votre cuillère est un truc qui faisait que pas trop mal à midi. Avec qui? Je serais ça avant de me mettre dans le lit, si jamais, pour le moral, je pense que ça me rappelle quand je me suis fait le coude, ça servait à rien. Rien faire. Alors, c'est pas parce que tu peux pas bouger le coude que tu peux rien faire, hein. Heureusement. Hein. Imaginez Philippe Croizon, sinon. Si ne pas pouvoir bouger le coude, ça voulait dire que tu étais inutile, Philippe Croizon se sentirait quand même vachement inutile, et a priori, c'est pas le cas, hein, clairement. Tu connais le truc de « je touche mes orteils avec les doigts, regarde bien tes pieds en position symétrique », ça y est, l'autonomie fait coach. Respire bien, force pas, hein, et son propre poids fait beau. Surtout plie les genoux, avant de t'en dresser. Pour verrouiller ton bassin. Oh là, mais... On parle de tout ici. Yapoto, je connais. Merci la Zumba. Ah. Encore un qui s'est fait péter. C'est quoi ça? Poche d'eau. D'accord. Ah, il y en a une là aussi. Hop. Allez, Samus, regarde en bas. Doudoudoudoum. Non, ça a l'air d'être... Ah. Y'a pas un truc en haut là? Si. Si. D'accord, ok. Ah! Oh zut, j'y étais. Zut. Oh, j'y étais, c'est nul. Et hop là! Réserve d'énergie. Ouais, y a pas eu que ça. Quand je me suis pété le coude, cette action m'a apporté beaucoup de choses dans mon malheur, d'accord. Ah, la soupape de sécu vient de lâcher chez moi. Hein? Ah, il comprend pas. Oh, j'espère qu'il faudra jamais revenir ici parce que c'est tellement chiant. C'est tellement loin. C'est beau, mais c'est loin.
Quoi ce bruit que j'entends? Oh! Ah non, il a des sacrés... Il a des sacrés picots pour un truc herbivore. J'étais en train de pleurer, bah alors? Bah alors Blacky? Voilà, je raconte pas assez de bêtises sur mon stream et paf. Paf, d'habitude elle rigole. Et là, Je suis pas d'accord en plus sur le fait que ce soit poétique, c'était pas poétique du tout. Parle d'une soupape de sécurité, on a l'impression que t'es en train de parler de ta cocotte minute. On a l'impression que t'es en train de parler de cocotte minute là. Évidemment que je me suis pété la gueule. C'est ça que j'ai mis des guillemets. Black et Decker. Est-ce que Black et Decker vend des cocottes minute? Tiens. Là est la question. Ah mais il y a plein de portes partout. Moi j'ai essayé de monter direct mais c'était le principe taux de pression, ça a pété. Moi des fois je pète aussi mais je crois que Bosch par contre il en vend. Bah il y a du phason partout. Ah oui, mon claqué du phason partout là. Aïe. Tunnel de l'ascenseur E. Secteur S des mines de Phazon. Oh. Mais je me rappelle qu'il y avait un... Il y avait un super grand boss là. Un truc géant. C'était un pirate de l'espace dopé au Guronzan, mais Guronzan plus. C'est encore loin ou pas? J'ai souvenir de ce machin. Ah, devinez qui est en train de gratter à la porte comme une tarée. Devinez! Le truc géant, c'est pas plus. Non, mais ouais, le tentacule, putain, je m'y attendais tellement pas. Et le truc là sort. Que normalement, les tentacules, ils sont tout mignons, tout gentils dans Doom. Ouais, ça m'a apporté beaucoup de positifs cet accident. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Bon, déjà, c'est bien ça. Rabia la relou, exactement. Ah, c'est vraiment chouette, je suis obligé d'enjamber. Je suis obligé d'enjamber la plaque de gerbe pour ouvrir la porte. C'est sympa. Un petit R comme Rabia? Bah allez, go pour un R comme Rabia alors. R comme Rabia. Ah. Est-ce que ça te fait sourire? Est-ce que ça t'apporte de la joie? Un petit R comme Rabia. Je devrais faire un V comme Vomito aussi. Ce serait pas mal. V comme Vomito. Ah non, non, non. Hein. Ah, tu t'en vas, toi. Hein. Voilà.
V comme vomito. Mais je me rappelle, il y a tellement de trucs ici. Elle m'a craché dessus la plante. Là, il y a quoi? Plaque de germe a fait un super. Un super. Ah, ascenseur D. Toujours bien de prendre. On va activer tous les. Non, c'est pas ça que je veux faire du tout. C'est ça que je veux faire. Secteur sud des ruines Chozo. Ah mais meurs toi, mais meurs. Ah mais il y en a une là aussi. Ah. Il y en a partout. Ils sont partout. Hop. C'est quoi ça? Ah bien, on peut pas se défendre. Bah en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise pour sa défense? Oh non, c'est pas moi qui ai vomi. C'est un autre chat qui est venu là et qui a tout gerbé partout. Évidemment, je ne connais pas. Oh, elle a gerbé, c'est bon quoi. Quel gros sac. Avez-vous déjà vu pareil gros sac? Ah, c'est pas comme ça. Alors, c'est vrai. Ah, mais... Regardez comment ça beau. T'as vu comment c'est beau? Ça tourne, 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 tourne comme ça. Hop, 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 hop. C'est beau, hein. Y'a pas un truc derrière l'arbre là? Ouais, peut-être pas. Finalement, peut-être pas, mais. Et on me fait tourner les serviettes. Merci, Otonoshi. Non! J'ai pas dit non, c'est pas vrai. J'ai pas crié. J'ai pas crié, c'est pas vrai. C'est vous qui avez crié. Et ouais! Et voilà. C'est vous qui avez crié et il faudrait arrêter maintenant. Oh bah! J'ai arnaqué le jeu. C'est marrant parce que je suis obligé de monter dans le sens inverse. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une pièce. Ah non. Non, c'est pas ça. Non. Merde, comment on les éclate ces trucs-là? Non, c'est le... D'accord. Ça, c'est faut la power bomb, ça. T'as encore de la place pour une emote? Faut vraiment l'emote, mais non. Mais non. Là j'ai dit mais non, mais c'était pas le même.
Ah bah oui, il y a un truc là derrière, regardez, il y a une porte, il y a une porte bleue. Comment qu'on y va? A priori pas comme ça. Ah regardez, il y a un truc là, oh là là, oui. Pouette, pouette, pouette. Là ? Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non. Non, parce que le nom de, de Mario est vraiment très différent de mon nom à moi. Moi, c'est vraiment un nom de... Ah là là. Il faut vraiment pas que ça se passe comme ça, quoi. Ah, 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 le truc change de sens au cours de la montée. Ok, donc ça marche pas comme ça non plus. Le nom de Mario est Gauthier. Non mais tu dis ça juste parce que t'as l'emote, c'est tout, mais arrête quoi. Bon. On peut y aller derrière là, non? Non. Comment qu'on fait? Oh là là, oh là. Oh, je fais n'importe quoi. Ah, mais on doit pouvoir y aller quand même, non? Pourquoi on peut pas? Pourquoi on pourrait pas? Au cours. Comment on fait pour y aller? Là, il y a les branches qui me gênent. Avec vas-y, spoil, ouais. Ah, j'ai plus le... J'ai plus le rythme. Pas avec ça déjà, c'est sûr. Voilà, pour une fois, je lui dis de spoiler techniquement. Ah, pas le... D'accord. Pas l'infrarouge, la rayon X. Ok, d'accord. Moi je vais là, regardez, hop. Bon, ça ne marche pas, bien évidemment. Du coup, je sais pas où je vais. Bon, ça, ça en même temps, ça ne vous étonne pas. Oh le mec, comment il parle. J'ai visé à côté mais ça marche. Ah non mais non, oh là là, ça sert à rien, je vais pas au bon truc. Ouch.
Et ça m'amène ici. Ah, ok. Oui, c'est quand j'avais le choix entre les deux trucs. D'accord, ok. Ok, d'accord, je comprends. Je comprends où je suis. Allez hop, on va arrêter ici. Bisous YouTube. À la prochaine.